D'accord. Donc, tu n'étais pas saoul, tu étais très joyeux. Voilà. Ah, ça, c'est bien. Quelle est la remarque la plus désagréable que l'on t'ait fait au travail jusqu'ici dans ton... C'était quelqu'un qui était au studio avec un beatmaker à lui et qui faisait des remarques. Et imaginons, il disait que le volume était trop fort. Et puis, il potait sur autre chose et il dit là, le volume est bien. En fait, il n'écoutait pas parce qu'on n'avait même pas monté le volume. Et ça, c'est des choses qui... D'accord. Est-ce que tu aimerais qu'il fasse ton métier? Non, moi s'il est déjà heureux, pour moi c'est oui, serein dans sa vie, pour moi c'est le principal, qu'il fasse n'importe quoi, qu'il fasse. Il n'y a pas de son métier, pour moi c'est s'il est bien dans sa vie, je suis content, je vais l'éduquer, pour faire en sorte qu'il soit bien dans sa vie, heureux dans sa vie, le reste, c'est pas mon problème, c'est le sien. Mmh. D'accord. Et donc, parmi tes collaborateurs, est-ce que tu as des amis? Oui, bien sûr, ça devient même une famille parce qu'on est tout le temps ensemble. Mmh. Donc, ouais. As-tu déjà fait l'amour au bureau? Non. D'accord. Le bureau, c'est le travail. C'est le travail. D'accord. Alors, comment vois-tu ta carrière dans 5 ans? Déjà, j'essaye d'être serein. C'est le principal en fait. Comme je dis, c'est pas. Le reste, je m'en fous un peu. Si je suis pas bien, mais que j'ai tous les millions qu'il faut, ça me sert à rien en fait. À un moment donné, je crois qu'avoir une carrière longue de 10 km, mais qu'on n'est pas bien dans sa peau, dans sa vie, ça m'intéresse pas. Si, imaginons demain, je fais un flop, je suis nul, mais que je suis bien avec ma famille et que je vis bien, ben, c'est bon. D'accord. Alors, si tu as quelque chose à dire au public qui t'écoute en ce moment, Camerounais qui t'écoute, c'est quoi? C'est déjà merci. Déjà, merci parce que l'accueil, ça m'a fait vraiment du bien. Et puis, c'est fou, hein. L'amour qu'il y a ici, c'est incroyable. C'est incroyable le parcours où on va, les photos, l'énergie, ça fait du bien. Oui. Et puis, bravo aussi à Brice pour la promo. Maintenant, je sais pas si vous êtes plusieurs, mais c'est fort. Merci, frère. Merci. On est sur Twitter, tout ça, c'est très chaud. Oui, ça va. Il a assuré. Et donc, on peut applaudir Brice Albin et son équipe. Merci à toute l'équipe. Ouais, c'est surtout un travail d'équipe. Donc, merci à toutes les équipes qui m'ont accompagné sur cet événement. J'aimerais également remercier Strong Life qui m'a fait confiance. Remercier Yuma. J'aimerais qu'on applaudisse Strong Life et Yuma qui gère les tournées de Damso. C'était une date importante. Oui. Et comme tu le sais déjà, c'est le premier gros concert qu'organise Wayprod. Donc faire confiance à Wayprod pour organiser ce concert dans un marché aussi important pour eux que le Cameroun, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci aussi à eux pour la confiance et pour l'amour. D'accord. Alors, pour sortir Brice Albin, information, précision, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ou quelle est l'information à passer maintenant que tu as envie de passer tout de suite pour sortir Ce qu'il faut retenir, c'est que le meilleur rappeur francophone actuel est au Cameroun. Damso est enfin au Cameroun. Il sera à Canal Olympia, Bessengue demain. On est quasiment complet. Ça va être un événement exceptionnel. On a déjà énormément salué et remercié infiniment tous ceux qui l'ont fait, la communication autour de cet événement. Ils n'ont pas encore vu le spectacle, parce que ce qui se prépare en termes de spectacle est exceptionnel. Il y a beaucoup d'artistes internationaux qui, quand ils se déplacent sur le continent africain, font des shows au rabais volontairement. Mais eux, ils mettent énormément de moyens pour offrir au public africain le même spectacle qu'en Europe. C'est-à-dire que Damso sur scène à Paris, Bercy, c'est la même chose qu'à Canal Olympia, c'est la même chose qu'au Canada. Et c'est vraiment un spectacle de qualité qu'on va vivre demain, en termes de son, en termes de lumière, en termes d'expérience. Moi-même, j'ai hâte de voir ça, donc venez massivement à Canal Olympia demain pour vivre peut-être le plus gros concert jamais fait au Cameroun. D'accord. Allez, on va tout de suite faire un gagnant, un ou deux. Je dis peut-être, mais j'en suis certain. On va permettre à deux personnes de remporter leur passe ce soir dans l'émission. Donc, vous nous appelez au 650 25 25 50. Donc, pour repartir avec votre passe, si vous ne l'avez pas encore, 650 25 25 50 en direct avec nous tout de suite sur Radio Balafon et dans Djamboula. Le temps d'écouter 60 années. 60 années, c'est Damso à l'instant. Damso qui est notre invité ce soir sur Radio Balafon.
60 années parle de quoi, Damso ? De ce qu'on regrette, de ce qu'on aurait dû faire, de ce qu'on continue à faire, mais que tout en oubliant que la vie, elle traîne pas, en fait. Ouais. C'est ça que j'aime bien quand je dis la vie fait 60 années, c'est qu'après cet âge-là, on n'a plus la même fougue, la même... Déjà, les os sont plus déjà en état comme avant. Oui. On sait faire beaucoup moins de choses qu'avant. Et c'est pour ça que je dis que ça s'arrête là aussi, l'expérience de vie aussi au Congo. Il y a plein de choses. D'accord. Allez, 6,50, 25, 25, 50, on va recevoir un ou deux auditeurs pour leur offrir leur place pour le concert de demain. Et donc, on a le premier au bout du fil. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous appelle comment ? Pardon ? Herman. Herman. Vous nous appelez d'où, Herman ? Vous nous appelez d'où ? Ange Raphaël. Alors, on est avec Damso ce soir et je vais te poser juste une question. Dis-moi, en quelle année est sorti le dernier album de Damso ? Le troisième. Il s'appelle comment, cet album-là ? Il s'appelle ? Ben, je l'ai dit... Tricheur ! Allez, alors, Herman... Alors, Damso, on fait quoi ? On lui donne le ticket ? Ah, ticket. Ça, vraiment, je ne sais plus, là, Herman, là, tu me descends. Herman, bah, dis quelque chose à Damso, peut-être pour le flatter, Damso. Herman, tu es là demain ou pas ? Ah bah alors, c'est parfait. D'accord. Allez, bravo, Herman, tu nous donnes... ton nom. Il a dit qu'il sera là, donc il a déjà sa place, il n'a pas besoin que tu le fasses gagner. Ah, tu as ta place, Herman ? Tu as ta place déjà ? Alors, Herman, donc tu nous donnes ton nom complet, s'il te plaît. Mbetbo. D'accord. Mbetbo Defo. D'accord. Herman, vous passez donc demain en matinée, hein, on va dire avant 10h. Retirez votre invitation, d'accord ? À la radio. Salut Herman. C'est Lithopédion le dernier album. Herman, il t'a donné le nom. Est-ce que tu as compris le nom du dernier album ? Écoute bien le nom qu'il te donne. Herman, Lithopédion. Lithopédion, le nom du dernier album, le troisième album de Damso. Lithopédion. Voilà. Allez, à demain, Herman, merci, bonne soirée. 6,50, 25, 25, 50, on reçoit un autre défi. Bonsoir. Comment on vous appelle ? Alex. Alex Tiemena. Comment ça va, Alex ? Ça va très bien. Alors, dis-moi, quel est ton titre préféré de Damso ? Pardon ? Il est parti, j'espère qu'il va. Il a dit qu'il l'a belle. Ah d'accord. On espère qu'il va revenir. Hein. Sinon, celui-ci va prendre sa place. Au téléphone, bonsoir. Allô ? Bonsoir. Malheureusement. Allez, 6,50, 25, 25, on va faire un dernier. Vraiment un dernier. Après Herman, au téléphone, on reçoit cet auditeur. Bonsoir. 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 Lui, il est au marché. Attention au casque. Allez, au téléphone. Comment on vous appelle ? Pardon ? Martial, on est avec Damso ce soir. Est-ce que tu peux me dire quel est ton meilleur titre, en fait, ton titre préféré de Damso ? 60 années, tu penses ? D'accord ? 60 années, tu peux nous faire un couplet, juste comme ça ? Tu es un tricheur, toi, à Martial. D'accord.
Mais tu connais Damso quand même. Depuis combien de temps tu connais Damso? Depuis combien d'années? Ah, les affiches du concert, ça t'a vraiment parlé. Tu t'es dit, faut que je m'intéresse à ce mec. D'accord. Donc, en fait, vraiment, il connaît pas vraiment les chansons, mais il a envie de découvrir Damso. Donc, est-ce que tu as ton ticket pour demain déjà? D'accord. On te donne. Brice Alban, il est très gentil. Hein, donc... ah, c'est moi qui fais gagner les places. Bah oui, bien sûr. Je suis même pas au courant. Non, on te fait gagner ta place. Allez, Martial, tu passes demain à avant 10h hein, à la radio pour retirer ton ticket, d'accord? D'accord. Allez, et donc va écouter Damso, écoute beaucoup. Demain, en tout cas, tu vas le découvrir et tu verras. Il est. Alors, ce qu'il vient de dire est révélateur du phénomène qu'est Damso, c'est que Damso vend plus que 80% des artistes en étant diffusé 80% de fois moins qu'eux. Il n'est pas énormément diffusé dans les médias traditionnels, mais il a un énorme public. Donc, soit tu es un grand fan de Damso et tu le connais à fond du début de batterie faible à Lithopédion, soit tu ne le connais pas comme l'auditeur à l'instant à l'écho de l'émission qui est tombé sur les affiches et qui a envie de venir au concert. Bon, on est heureux de t'accueillir demain à Canal Olympia. Voilà. Allez, merci grandement d'être venu ce soir, Damso. Après cet album, j'imagine que le prochain, puisque tu es bourré d'inspiration, là, ça, le prochain est déjà en préparation. Ah, je n'en parlerai pas. Il a annoncé récemment sur les réseaux sociaux. Ouais. Je travaille ça comme mouvement, mais je parle jamais des projets qui ne sont pas sortis. D'accord. Ça porte mal. D'accord. Donc on attend impatiemment. En attendant, il y a les trois qui sont là, qui sont juste magnifiques. Et demain, ça va être un condensé de tous les trois sur scène, j'imagine. Bah, vous venez ou pas du tout? Bah, je serai là. Ah bah alors c'est parfait, vous allez voir. ouais. Merci. Tu vois, Damso, il n'aime pas parler, il préfère faire. On l'a très bien compris. Vie moins 1 et demain, ce sera le jour vie. il maîtrise le sujet. Allez. Baltringue pour sortir. Merci encore à tous. Merci. J'espère Damso. Que c'est pas pour dire que nous sommes des. Non. Tu n'oserais pas, tu ne te permettrais pas. Mais non. Allez, à vous, chers auditeurs, merci à tous d'avoir été là. On se retrouve donc demain. Rendez-vous ouverture à partir des portes, de 16h. 16h. Voilà. À Canal Olympia. Très bien. Et si vous n'avez pas vos passes, ben venez à 8h du matin pour les récupérer. D'accord. Damso, il est là. Il sera là demain sur scène. Allez, à demain. Laisse-toi le dos, mais tu laisses-toi. C'est bon, merci. C'est bon.
Merci à vous, merci beaucoup. Lams, 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 Lams.